Oh, t'as vu? Il y en a qui ont eu des problèmes avec leur voiture par ici. Mais Léo, c'est des voitures qui ont brûlé. Il y en a qui ont mis le feu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des émeutes. T'as pas entendu à la radio? Et pourquoi il y a des émeutes? Je sais pas, moi. Tu sais, toi? Oh, c'est une longue histoire. Remontons le temps. C'est quoi ces cabanes là-bas? Ce sont des billes, où les gens habitent car il n'y a pas assez de logements. Ce sont souvent des étrangers que les entreprises sont allées chercher pour travailler dans leurs usines. Il y a aussi des Français venus de la campagne. Ah, c'est quoi toutes ces grues? Eh bien, figure-toi qu'on est en train de construire des tas de logements pour qu'il n'y ait plus de bidonvilles. Les gens sont rudement contents d'avoir enfin de l'eau et du chauffage. Mais pourquoi il n'y a pas de magasin ici? C'est vrai que j'ai pas une idée d'avoir serré tous ces gens au même endroit, si loin du centre des villes. En plus, ces tours commencent déjà à s'abîmer. Alors, quand la crise économique est arrivée, que les gens ont commencé à être au chômage, que les enfants qui grandissaient ont eu des difficultés pour trouver du travail, qu'ils ont subi le racisme, certains ont fini par détester cette société. Certains ont monté des trafics et beaucoup de gens sont partis car ils avaient peur. Les policiers aussi ont peur. Ils sont nerveux et quand un jeune est blessé ou tué, c'est l'émeute. Ces jeunes incendient les voitures, pillent les rares commerces. Les policiers arrivent en force et arrêtent beaucoup de gens et le quartier devient encore plus invivable. Eh ben c'est gai. On ne peut rien faire. La solution, ça n'arrivera que peu à peu, quand on aura enfin rendu ces quartiers vivables, quand les gens auront de nouveau confié un travail. Alors seulement, ils pourront se respecter. Hé, hey, abruti! Tu l'as passé où, ton code? Professeur, t'as pas dit se respecter?